association. Mais devant, il y a comme boîte privée, AFDAI, CPAM, les caves coopératives, Veolia, le Cabot, Louis Signol, le syndicat des intermittents, la SCREP, ZASF, Intermarché, Confort, Casino, France Boisson, Valdorbieu. Ce n'est pas une histoire de public. Et le CMPP de Narbonne. Parce que aussi, les lycéens sont là et souhaitent, c'est la jeunesse, c'est la relève, vous adresser ce qu'il a à dire. Je suis un ancien lycéen, mais il y a très longtemps. Alors face à un gouvernement qui est un gouvernement absolument méprisant pour tous les gens qui sont en difficulté, eh bien, aussi bien les salariés, les fonctionnaires que les paysans, eh bien, je voudrais apporter ici au nom de tous les paysans et particulièrement ceux qui sont en difficulté dans la région avec l'arrachage des vignes, je voudrais apporter un mot qui est celui de la solidarité. Paysans et travailleurs, nous devons être tous ensemble pour bousculer, pour booster ce gouvernement hors de notre espace. Et si samedi il y a eu une tempête qui a arraché quelques arbres, il faut qu'il y ait une tempête sociale qui fasse envoler, disparaître ce gouvernement qui ne sait absolument pas s'intéresser aux plus faibles. Donc voilà, moi je suis un représentant du lycée Lacroix. Donc nous, ça fait déjà 2 mois qu'on est en grève à Lacroix, que Développus se réalise fréquemment. Et c'est pour dire que même si on ne sera pas en blocus ou en manif, on est toujours mobilisé, il y a de l'information qui passe, il y a un comité qui s'est créé sur Diderot, il y a un comité qui est en train de se monter sur la croix, et donc on sera mobilisé jusqu'à la fin. Je laisse la parole à mon camarade de Diderot. Bonjour, donc je suis représentant du comité lycéen de Diderot. Donc déjà, j'aimerais remercier toutes les personnes qui sont là, parce que c'est grâce à vous que cette mobilisation elle est là. Et si vous êtes toujours dans la rue, c'est grâce à vous qu'elle continuera dans la durée. Donc j'aimerais dire qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, pour nous lycéens, nous on constate qu'il n'est plus possible de vivre décemment. On a de gros problèmes par rapport à nos études, on n'a plus d'emploi possible, et ça c'est pas normal. Donc nous, on sera dans la rue tant qu'on n'aura pas d'avenir décent. Donc voilà, nous on est là et on y reste. Je répète l'ordre de la manif, la banderole de tête intersyndicale devant les jeunes, les syndicats de privé et les organisations syndicales de salariés. Merci. Un petit rappel, donc on va tous laisser sortir le camion plateau sur lequel il y a le sonneau. Derrière le camion, donc les banderoles de tête se mettront en place. Les salariés du privé se mettront derrière la banderole de tête, les lycéens et ensuite le reste de la manifestation. Nous demandons également aux partis politiques, à tous les partis politiques qui ont bien voulu se joindre à nous, de se regrouper en fait de manifestation. Je vous remercie.